Alors aujourd'hui, je suis à Neuville. J'attends Wendy du refuge de la Bouche-Kiri. On va aller récupérer un petit mouton. J'ai reçu une dénonciation il y a quelques jours d'une personne qui s'inquiétait de voir ce petit mouton tout seul depuis des mois. Alors j'ai été enquêtée. Ce qui se passe, c'est que les propriétaires actuels, quand ils ont acheté la maison, l'ancien propriétaire leur a dit écoutez, soit vous prenez les moutons avec, soit moi je les mets à la boucherie. Donc les gens, évidemment, ils ont dit non, mais il n'est pas question d'aller tuer ces animaux, on les garde. Sauf que les années passant, les moutons ils sont morts de vieillesse. Et puis ce petit mouton que j'ai appelé Samy se retrouve maintenant tout seul depuis plusieurs mois. Déjà, c'était pas légal, puis qu'en plus, c'était pas très cool pour ce mouton, qui serait bien mieux avec des congénères. Donc quand je leur ai proposé de récupérer ce petit bélier, ils étaient tout contents pour lui. Le hic, c'est qu'il n'est pas castré. Donc pour pouvoir le mettre avec des filles sans avoir 15 000 bébés supplémentaires, il va devoir d'abord passer en clinique, c'est ce qu'il va faire demain. Puis ensuite, il pourra avoir une fin de vie heureuse avec des congénères, plein de gens qui vont prendre soin de lui. Alors voilà, c'est cool. Coucou! Ça va et toi? Le petit mouton, il est là. Ouais. Et par contre, il y a un autre portail, je ne sais pas trop où, mais on va juste voir. Ouais. Alors, le petit Samy, il est là. Petit loulou, t'es où? Salut, mes coucous, hein? Tu vas avoir des copains et puis des copines. Oh là là, petit poussin. Et tiens. Une femme de bodybuilder. On arrive. Alors que t'as une sortie devant, hein, mais bon. Oui, mais j'ai sécurisé, j'ai pris les boules qui l'ouvrent. Voilà, donc là on arrive au refuge de la Bouche-Kiri. Donc il y a des animaux un peu partout. Alors là, j'arrive au refuge de la Bouche-Kiri. Je vais aller trouver Samy, voir qu'est-ce qu'il devient et voir comment ça se passe pour lui. Donc là, on arrive, il y a des vents. Et là, on arrive au portail de la Bouche-Kiri. C'est bien gelé partout, hein. Alors normalement, il devrait être là-bas, Samy. Alors là, c'est le petit Samy qui s'est déjà fait une petite copine. Salut Samy! La castration, ça s'est très bien passé. On avait un petit peu peur vu l'âge. Mais finalement, il s'est très bien remis et puis ça a été nickel. On l'a laissé 10 jours quand même en isolement parce qu'il est fertile durant ces 10 jours-là. Ensuite, on l'a mis avec le reste du troupeau et ça a été tout de suite le grand amour avec Blanche. Et puis du coup, il la quitte plus. C'est chou. Elle a quel âge, Blanche? Alors on ne sait pas, elle vient d'un séquestre qui avait été fait l'année passée pour zoophilie. Donc c'est des animaux pour lesquels on n'a pas forcément les dates, on ne sait pas tout. Donc deux malheureux qui se sont retrouvés puis qui sont heureux, c'est trop joli. Exact. C'est le grand amour avec sa petite copine. Donc là il est bien. Il y a de la place, il y a plein de copains. Alors ça c'est Bob, et même la caméra, il la boque. Hein? Tête de bélier, hein? Oui, c'est une petite trouille. Allez hop, file, je peux pas filmer avec toi. Arrête de me coller.
Et alors là, tout le monde est ensemble, moutons, chèvres, c'est génial. Oui, alors on a les chèvres et les moutons qui sont ensemble. Après, on a quand même séparé un petit peu par espèce, parce qu'ils mangent pas la même chose, ils ont pas le même comportement social. Mais là, c'est rigolo parce que les moutons sont vraiment tous ensemble. On sent bien que le troupeau, il est fait. Et puis, dès qu'on en rajoute un, il n'y en a pas qui sont mis de côté. En tout cas, tu as de la place ici. C'est vraiment génial. Hein. C'est top. Cool. Ouais, on a attendu ça avec impatience depuis plusieurs années. Mais... Ouais, non, c'est top. Bon, en tout cas, merci Wendy d'avoir accueilli Samy. Ben, déjà, de rien. Merci à toi de l'avoir d'avoir fait tout ça pour lui. Coucou. Alors, Samy, t'es bien là? Hein? Oui. Oh, suis vite, suis la petite fille. Hein?